long ou court, raide ou frisé. Dans sa diversité, le poil a toujours été fidèle à l'homme. Arme de séduction ou objet de dégoût, rentrons dans l'univers du poil. Qu'on les retire ou qu'on les cultive, les poils ont une place plus importante que ce que l'on pourrait penser dans les rapports humains. Frôlant parfois l'obsession, notre fascination pour ces quelques millimètres d'animalité ne cesse d'évoluer avec les tendances. Que ce soit chez l'homme ou chez la femme, et que ce soit intentionnel ou non, nos poils sont vecteurs de communication. Ils envoient des informations, des signaux, et nous renseignent sur nos semblables. Comment distinguer le bon du mauvais poil? Quelle place reste-t-il au poil dans notre société? Religion, climat, hygiène, morale? Quelles raisons avons-nous de garder ou non nos poils? Comme Cécile, beaucoup de femmes passent du temps et dépensent de l'argent pour s'occuper de leurs poils. Crème épilatoire, laser, cire, bien que certains militent pour sa sauvegarde, le génocide pileux n'est pas prêt de s'arrêter. En nous épilant, en nous coiffant, en nous rasant, nous nous apprêtons et mettons nos poils en valeur. Un phénomène encore plus flagrant et que l'on observe plus particulièrement chez la femme. Bien apprêtée, Cécile se conforme à l'image de la femme dans notre société. Elle envoie un message positif aux hommes de douceur et de sensualité. Et personne n'est choqué de voir ses jambes lisses et épilées. Il n'y a pas de poils. Il n'y a pas de poils. Oui, c'est normal. Enfin, elle a dû s'épiler. S'il n'y a pas oui. de poils. Ouais, je trouve ça normal, ouais. Oui. C'est l'inverse, tout le monde aurait plutôt souffrir. En ce moment, moi, je veux dire, ouais, toutes les femmes, elles sont épilées. Ouais, si, non, non. Bah oui, c'est ouais, moderne, c'est, quoi. C'est les filles, elles s'épilent, quoi. Ouais. Ouais. Bah, c'est surtout qu'elle n'a pas de collant, quoi, ce qui me choque. Une femme arborant du poil au visage sera vue comme dérangeante. Mais en plus d'une simple mode, cela nous dérange car nous recevons des messages contradictoires et inhabituels. Une étude menée par des psychologues américains a démontré qu'une jeune femme épilée est perçue comme plus sociable, intelligente, joyeuse, positive et attirante sexuellement, mais plus agressive et déployant plus de force physique lorsqu'elle ne l'était pas. La femme va se sentir plus douce, plus en confort parce qu'elle s'est épilée. Elle va répondre à une certaine représentation de la femme qui est d'être soigneuse, d'être propre, d'être douce. Les hommes aussi doivent répondre à certains attendus. Il y a un certain jeu de pouvoir, sans pour autant parler de pouvoir, d'influence entre l'homme et la femme dans la mesure où la femme va limite se sentir obligée de s'épiler pour plaire à l'homme. Cela fait longtemps que les poils n'ont plus le droit d'exister publiquement sur les jambes et les aisselles des femmes. Un simple coup d'œil au corps qui s'étale à la une des magazines nous permet de vérifier la tendance et la société ne cesse de nous le rappeler. Grand moment de honte pour Julia Roberts à l'affiche avec Hugh Grant du film Coup de foudre à Notting Hill. Le soir de l'avant-première londonienne, l'actrice a oublié un truc comme se raser sous les bras par exemple. Un peu frileux, le poil fait tout de même son comeback. Petit à petit, depuis quelques années, les tendances évoluent. Et heureusement pour les fans de pilosité exacerbée, certains militent toujours pour plus de poils, et particulièrement chez les hommes. Sur le torse, le visage, les bras et les jambes, vous l'aurez remarqué, les hommes ont une pilosité bien plus développée. Preuve de virilité, le poil masculin a cependant bien évolué. Aujourd'hui, il se laisse dompter, tondu, taillé, rasé, épilé. L'homme entretient ses poils plus que jamais. Mais quoi qu'on en dise, les femmes aiment les poils et c'est la science qui parle. Il y a des femmes qui vont associer virilité et pilosité. Et puis il y en a d'autres qui vont plus considérer que la virilité se voit ailleurs. On est aujourd'hui dans une grande importance du bien-être. Et donc, c'est cette idée aussi que les hommes peuvent prendre soin d'eux et que à ce moment-là, s'enlever les poils, ça fait partie d'un soin. C'est pas quelque chose qui va montrer une grande féminité. La mode n'y est pas pour rien. Depuis ces dernières années, de George Clooney à Brad Pitt, toutes les plus grandes icônes arborent fièrement leur barbe, preuve de virilité.
Dans une société qui retourne vers des valeurs à l'ancienne, le poil ne pouvait trouver de meilleur moment pour faire son comeback. Inévitable. Un engouement partagé par de nombreux hommes, personne n'a pu échapper au retour en force de la moustache, qui s'est glissée sous le nez de tous les mecs branchés, ou encore de la barbe qui s'affiche désormais publiquement dans le paysage audiovisuel français. Plus récemment, beaucoup moins appréciée des femmes, c'est au tour de la grosse barbe de bûcheron de faire sa star. Et attention messieurs, la barbe c'est du sérieux car chaque année est organisé un championnat du monde des plus belles barbes et moustaches, offrant un défilé des plus impressionnants. Démontons du pouvoir, c'est dégoûtant, mais où sont les barbes lentes, barbes en brosse ou barbes à frisette, barbes en pointe, en collier, en côtelette, barbes juste... On a marqué un retour de la barbe depuis à peu près 5 ans. Ça a été très fort depuis ces 2-3 dernières années où c'est plus qu'un phénomène de mode parce qu'aujourd'hui tout le monde porte la barbe, tous les garçons pratiquement. L'image qu'on renvoie en portant la barbe, c'est soit on va dire, un signe de virilité ou alors c'est une manière de cacher quelque chose. Et encore une fois, ça peut être aussi le fait de se vieillir. Les gens qui se trouvent un peu trop jeunes vont porter une moustache ou une barbe afin de pouvoir se donner un peu plus d'allure et de maturité. Certes, le poil revient en avant sur les mentons et les joues des hommes, mais dans leur intimité, il n'y a pas que les poils de barbe qui tombent sous le fil du rasoir. Dos, épaules, fesses, parties intimes, les hommes font également la chasse au poil, car si le poil peut être attirant, il peut également être rebutant. Influence de la pornographie ou obsession d'hygiène, la touffe au naturel a vu s'abattre sur elle le couperet de l'épilation. Mais plus que la touffe pas très sexy, dans notre intimité, les poils se voient de fantastiques partenaires. Ils se hérissent, aiguisent nos sensations, et qu'on le veuille ou non, le principal rôle que joue la pilosité dans la relation sexuelle est de stimuler la libido. Il y a le développement de la sexualité qui fait qu'on a une sexualité plus émancipée et qu'à ce moment-là, on va plus intervenir sur cette partie-là qui au départ était tabou, on était dans le noir, on ne se voyait pas, et ça n'avait pas de grande importance aujourd'hui. C'est quelque chose qui va faire en sorte de plaire à l'autre. Le fantasme de l'homme viril et poilu a tout de même plus de succès que celui de la femme à barbe, mais lorsque l'on parle de cheveux, alors ce sont les femmes qui ont souvent le plus long. Nous ne pouvions parler du poil sans parler de leur roi, le grand papa poil, le cheveu. Alors que chez les hommes il se fait parfois rare, chez la femme on le laisse pour une fois volontiers pousser. Instrument de séduction ultime, les cheveux d'une femme sont-elles la caresse du printemps, et les hommes préfèrent les femmes aux cheveux longs. Ils sont un indicateur très parlant, ainsi une femme qui cherche à séduire va plus souvent se laisser pousser les cheveux, et inversement, une femme installée dans une relation durable et satisfaisante a tendance à avoir les cheveux plus courts. La chevelure, c'est d'abord une féminité, une réponse à une féminité, c'est ce qui va faire la distinction la plus primaire entre un homme et une femme, hein. Après, au-delà de ça, ça peut être objet de séduction dans la mesure où ça va donner une certaine allure, une certaine prestance à la femme qui va attirer l'homme. Chez l'homme ou chez la femme, se couper les cheveux et les poils, c'est également souvent l'expression d'un changement, d'une envie de rupture, de renouveau, ou encore d'une sentence, une humiliation, un avertissement. Bien qu'on les chasse, nos poils nous aiment et il ne nous reste plus qu'à apprendre à les aimer.